le prince William et Kate Middleton ont assisté à un événement. Ils se sont rendus au baptême de Rose Matthews. La petite fille est le troisième enfant de Pippa Middleton et James Matthews. C'est un événement qu'il n'aurait manqué pour rien au monde. Le prince William et Kate Middleton ont récemment assisté à une cérémonie particulièrement importante dans leur famille. En effet, mercredi 1er mars, le Daily Mail a révélé qu'il s'était rendu, plus tôt dans la semaine, au baptême de la petite Rose Matthews. Âgée de seulement 7 mois, la petite fille est le troisième enfant de Pippa Middleton et James Matthews, après Arthur, 4 ans, et Grace, 1 an. D'après le journal, la cérémonie organisée dans la plus stricte intimité a eu lieu à l'église de leur village local, dans le Berkshire. Parmi les invités, Michael et Carol Middleton étaient bien évidemment présents, tout comme le prince et la princesse de Galles. Le prince William et Catherine ont tous les deux assisté au service, a indiqué Richard Eden pour le Daily Mail. En revanche, aucun élément n'a été dévoilé concernant l'éventuelle présence de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. La famille Middleton est particulièrement unie si la famille royale est au cœur de tension, notamment avec le prince Harry, il n'est né rien du côté des Middleton. Très soudés depuis toujours, les enfants de Michael et Carol tiennent à rester proches. En effet, Pippa Middleton est installée à seulement 20 minutes de Bucklebury, où résident ses parents. James Middleton vit dans le comté de Berkshire tandis que Kate Middleton a emménagé à Adelaide Cottage, à deux pas du château de Windsor, depuis l'année dernière. À la fin du mois de janvier, toute la famille s'était d'ailleurs réunie pour soutenir James Middleton. L'homme de 35 ans, bouleversé par la mort de sa chienne Ella, qui l'avait aidé à surmonter sa dépression, avait organisé ses funérailles. Un événement auquel ses deux sœurs et ses parents avaient tenu à assister. Take a chance, you can just keep.